fétiche à ballon. Oh. Waouh. Mais juste au début. Ça pique un peu. Ça pique un peu, hein. On est sur du piquant, là. Allez, aujourd'hui, nouvelle dégustation de produits japonais en compagnie de ma fille et de Cindy. Générique. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle dégustation de produits japonais. Je sais, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait. Et pour l'occasion, j'ai fait venir mon amie Cindy qui va pouvoir déguster pas mal de choses. Enfin, c'est longtemps, oui. Je connaissais pas. Et puis, bah, Inata, qui, elle connaît un petit peu les produits japonais, mais peut-être pas tous. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu l'occasion de me rendre sur Paris et j'en ai donc profité pour faire quelques achats. Donc, je vous ai ramené pas mal de choses, tout un petit assortiment. Il y a quelques trucs que je connais à peu près et d'autres que je connais pas du tout. Mais bon, on va tester ça. Je laisse commencer. Oh, oui. Oh, c'est quoi ça? Alors, Oh, c'est des marshmallows. C'est des chamallows, voilà. C'est des chamallows... Strawberry, fraise. À la frise, à la fraise. Petit gros. Voilà, petit chamallow. Et je crois que c'est ça qui sont super bons. En tout cas, je sens bien. Ouais, c'est un petit gros. Oui, bah oui. Quoi? Ça sent. Ça sent. Ah, c'est bon, très bon. Balance. Mes petits chamallows. Oh, oh deux. Yes. On voit qui c'est qui est gourmand. Hein. Voilà. J'ai pas fait exprès. Je pense qu'une fois j'avais mangé. Mais c'est bon. Regarde dedans. Mais c'est trop bon. Et comment ça? C'est super bon. En fait, dedans, vous avez un côté qui est crémeux à la fraise. Une petite gelée. Une petite gelée à la fraise. Moi je valide, très très bon. Ah ouais, c'est super bon. Allez, choisis un deuxième produit là. Tu rates pas. Tu rates pas, tu rates pas. Donc là, c'est des petits chocolats au lait et à la fraise. Oh, c'est tout un individuel. Ah ouais. Bon, bah voilà, ça fait des petits sachets. Si, du Domi. Tout mignon. Ah, c'est mignon en plus. Ça fait un petit carré de chocolat. Ça fait voilà une petite. Alors moi, je suis pas très fan de chocolat de base. Mais si ça me fait penser au, un peu aux biscuits, les Pimps là. Les... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait penser à ça. Carrément. Bon, en fait, ça fait penser. Là, ouais. Vous savez les gâteaux français Pimps. Et ben en fait, sur la fraise, c'est la même chose. C'est la même chose, ça a le même goût. Sauf que t'as pas le gâteau. La génoise, voilà, c'est ça. Oh, bon, c'est pas mauvais, moi c'est j'aime pas bien. Mauvais. Et après, bon, après je pense que t'en manges pas des masses non plus. Ah, ça, ça suffit. Ouais. Waouh. C'est du gâteau au matcha. Ça, j'en avais mangé. C'est du thé. Ah, d'accord. J'avais goûté ça à Kyoto. Mmh. Sauf que c'est, il faisait ça sur un énorme rouleau, énorme. Un truc incroyable. J'avais mangé ça sur une pique. Je sais, j'aime bien ça. Toi, tu commences déjà à manger, t'attends pas. Moi, hein. J'attends. Ouais, non, Minata, elle a déjà tout mouillé. Hein. Bon, bah. Ça vaut pas ce que j'ai mangé à Kyoto. Ça a pas trop de goût. Ça a pas de goût, voilà, c'est ça. En fait, j'en ai mangé. Bon, après, c'était une boutique traditionnelle. Bon, je pense que. Pour manger du truc artisanal et du truc industriel. C'est dommage, ça a pas beaucoup de goût. C'est dommage. C'est pas mauvais, mais. C'est bon, c'est bon. Allez, deuxième choix pour toi. Attends, j'ai pris le truc. T'as pris le truc. Oh, ah oui, ça je connais. C'est ça que je voulais manger moi, c'est juste. Ouais, mais toi tu connais, ouais, ouais, mais t'en mangeras pas. Si, bah tu connais, t'as pas besoin de manger alors, tu connais. Si, arrête. Donc ça, c'est petit gâteau, espèce de petit chocolat. Ah, Takenoko. Takenoko. Ouais, c'est Takenoko. Ça, moi j'en avais mangé au Japon. Bah ça, oui, je ouais, ok. Il était trop bon. Il était trop bien. Alors, packaging, il était très mignon. Très mignon. Et dedans, ça fait. Tout petit gâteau comme ça. C'est des petites crottes des de chocolat. Tiens, une petite crotte. Des grosses cacahuètes, regarde, des cacahuètes. Regarde, on regarde pas comme ça, c'est un caca. Ah, ça fait des petits machins comme ça. Des petites crottes. Ah ouais, non, c'est bon ça. Mais après, je trouve,
Vu que c'est petit. Il va en retour en reprendre. Faut bien goûter, je crois, une deuxième. Hein. Vas-y, rapproche. Je suis pas sûre. Non, oh, ouais, c'est pas mauvais. Non, oh, c'est bon. Ça, je valide aussi. Ouais. Qu'est-ce que t'as pris ? Ah. Oh, j'adore. Alors là, ce sont des bonbons au soda, au Calpis. Je pense que ça doit être Calpis, au Calpis soda. Ok, je fais. Calpis soda. Je pense. Là, tu vas faire. Attends, mais tu peux ouvrir. Juste au début. Hey. Non, mais non, juste au début. Non. Juste au début. Après, vas-y. Juste au début. Mais si. C'est piquant. Non. Mais non, c'est juste au début. Après, ça va. Oh. Ça va, après. Incroyable, j'aime plutôt. Non, ça va. Ça va. Mais tout. Mets tout dans la bouche. C'est juste ce qu'il y a autour. Ça pique. Non, après, ça va. Il y a un autre truc à l'intérieur. Il y a un autre truc à l'intérieur. C'est revenu! Tu l'as senti aussi, il s'est mis! Je veux plus! Attends, maman! Ouais, en fait, dedans, si vous voulez, ça fait comme de la poudre acide. Ça se libère. Ça, c'est cool. Ça, c'est bon. Oui, c'est du soda rouge. Pop, ouais, soda rouge, je sais pas quoi. Ouais, pas goûté. J'en mets juste un petit peu parce que j'avais pas goûté. Hein. Un petit peu, s'il te plaît. Juste ça comme ça. Ça sent chimique. Ah, ça sent bon. Ça sent chimique. La bloc. Ah oui. Alors. Ça me fait penser à un truc, mais j'arrive pas à te dire. Alors, ça ressemble à d'autres boissons japonaises que j'ai déjà goûtées. Et sauf que là, c'est plus à la fraise, j'ai l'impression. Je sais pas trop quoi. Non, c'est pas ouf. Mais c'est pas mauvais non plus. Oui. C'est moyen. Très prononcé. C'est moyen. Oh. Bon, c'est le même en fait. Je vais pas prendre un sachet. On va déguster, on va prendre à boire un petit peu ce sachet à bout. Donc là, on est sur des petits crackers de légumes. Ah, des petits crackers aux légumes. On va goûter tous. Ouh. Ça, t'en as un peu de tout. Super. Ça, t'en as un peu de tout. Et puis moi, j'ai un peu de tout. Ça fait des petits cœurs, c'est mignon. Ouais, ça fait comme des petits cœurs. C'est bien. Non, c'est bon ça. Ça, j'aime bien, moi, tu vois. C'est tout simple. Mais. Oh. Des pokis. Oh, ça m'a l'air trop bon. Poki à la myrtille. Alors ça, je les connais pas. J'aime beaucoup les poki. C'est joli, ça sent bon. Ah, des baguettes ça sent très magiques. Très bon. Des baguettes. Pour l'instant, c'est ce que je préfère. Ça sent très bon. Non, c'est bon. Non, vraiment super bon. Alors dernier, bon bah je te le sors. Pourquoi Kimetsu. Bah parce que il reste que celui-là. Kimetsu no Yaiba. Donc là, c'est des crackers. Alors, on est sur des chips. Oh, c'est marrant. C'est marrant la tête. On peut prendre beaucoup hein, parce qu'il est petit. On dirait qu'ils ont essayé de faire des trucs de des formes de bacon. Ouais, on dirait une espèce de truc de bacon. C'est ouais. Ça pique un peu. Ça pique un peu, hein. On finit sur du piquant là. Ça pique un peu d'alors. Mais c'est. Ouais, c'est piquant. Mais c'est pas mauvais, j'aime bien. Par contre, il n'y en a pas beaucoup dans la poche. Non, mais c'est souvent comme ça. Tu vois, ils ont fait des gros paquets avec rien dedans. C'est pas mal. Oh, regarde, je suis obligée d'en prendre un autre. Regardez tout. J'aime bien. Mais j'aime bien, c'est bon. Très très bon. La texture est bonne. Le goût est bon. Mais ça colle pas sur les doigts. Ça, c'est pas. Mais par contre, ouais, ça. Ouais, ça arrache un peu. Ça pique. Alors, qu'est-ce que t'as préféré ? Les pokis. Les pokis ? Et ça ? Et ceux-là ? Ouais. Donc toi, ce serait ça en fait. Ouais, pour moi, c'est totalement ces deux-là. J'adore. Et moi ? Moi, Poki, ça. J'aime bien ça. Ouais, c'est pas mauvais. Ça, j'ai bien aimé, moi. Qu'est-ce que t'as préféré, toi, Inata ? Donc, bah, en fait, toutes les deux, vous avez aimé ça. Ouais, bah, c'est. Par contre, lequel que t'as. C'est quoi que t'as aimé le moins ?
Ah ouais, le truc, truc au chocolat. Voilà. Et toi, Inata? Ah oui, bah oui, toi c'est ça, toi. Inata. En vrai, moi j'irais ça. Ouais. J'irais ça, ouais. Tu veux manger, hein, ce que tu veux manger là-bas. Je dis que c'est moins bon, mais j'en bois quand même. Et voilà, du coup, c'était une petite vidéo dégustation, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, comme Instagram, où je poste pas mal de stories et d'exclusivités. Vous pouvez toujours me rejoindre sur ma chaîne Lifestyle, où je poste aussi une vidéo par semaine. Et si vous aimez le gaming, bah vous avez ma chaîne Twitch, où je live tous les jours, tout simplement. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.